quoi qu'on fasse sur la terre. Notre existence est une chose éphémère, et des pendules, le tic-tac incessant, semble nous dire, tout passe avec le temps. Voici l'enfant qui vient de venir au monde, sa mère penchée vers sa petite tête blonde, vers la pendule placée près de son lit, jette un regard et soucieuse se dit, si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nos petits enfants, si mignons, si gentils, grandiraient pas pour déserter leur nid. Lorsqu'à 20 ans, un jour ils se marient, sans un regret, ils partent et vous oublient. Et les mamans, dont ils brisent l'espoir, pensent on voudrait près de soi toujours les voir. Restez petits, garçons ou petites filles, si l'on pouvait arrêter les aiguilles. Dans les campagnes ainsi que dans les villes règne le calme et chacun vit tranquille, sans se douter qu'un orage gronde au loin pour bouleverser la paix du genre humain. Un peu partout, en Europe, en Afrique, les noirs dessous de l'infâme politique sèment la guerre, horreur de tous les temps, que nul ne peut arrêter pourtant. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, on n'entendrait plus le tocsin sonner pour enlever nos fils à leur foyer.